3 conseils pour avoir son prêt immobilier facilement. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils qui vont te permettre de faciliter l'option de ton emprunt bancaire afin d'investir en immobilier. Donc reste bien jusqu'à la fin car je pense que cette vidéo va fortement t'aider si tu es en phase d'investissement immobilier, si tu es même en phase de recherche du financement. Si c'est imminent, reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu et surtout à nous laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence plus la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Où je suis venu passer quelques semaines avant de repartir vers de nouvelles destinations. Donc, comment obtenir son prêt immobilier? Donc, dans cette vidéo, on va vraiment partir de la base, de chez base en fait. Qu'est-ce qui va déterminer l'obtention de ton financement immobilier et même peut-être d'autres types de financement parce que finalement, demander un emprunt, les critères de base sont plus ou moins les mêmes quel que soit le type d'emprunt, que ce soit pour l'immobilier, que ce soit pour ton entreprise, que ce soit même un prêt personnel, même si je ne te conseille pas de prendre un prêt personnel afin d'acheter des passifs, c'est-à-dire acheter des télévisions, des ordinateurs, des téléphones, de partir en voyage, etc. Tu peux utiliser un prêt personnel également, potentiellement pour investir en immobilier. Moi, je l'ai fait. Tant que tu utilises ton prêt personnel de la bonne manière, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, revenons à nos moutons. Comment faire pour obtenir ton prêt immobilier facilement? La première chose à faire et le premier conseil que je te donne, c'est d'avoir une hygiène financière assez saine. Donc, il faut que la façon dont tu gères tes finances soit la plus saine possible. Car si tu es quelqu'un qui, entre guillemets, vit au-dessus de ses moyens, si tu dépenses plus que ce que tu n'as, si tu es tout le temps à découvert, si tu mets du temps avant de payer tes factures, okay, si tu as des dépenses un peu superflues, tout ça, c'est des choses qui vont te freiner et qui vont vraiment dissuader la banque de venir te financer ton investissement immobilier. Okay? C'est sûr que si demain, et même moi je te pose la question, si demain tu regardes le relevé de quelqu'un, tu vois, imagine quelqu'un qui touche 2000 euros, 2000 dollars par mois, tu vois son relevé bancaire et tu vois que tous les mois il est à moins 300 dollars ou moins 300 euros, est-ce que tu irais lui prêter ton argent? Si tu vois que cette personne dépense son argent dans des sorties, dans des vêtements, dans des fast-food, dans des choses qui n'apportent vraiment pas de valeur sur le long terme, est-ce que toi tu irais prêter ton argent à cette personne-là? Donc en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que la personne en face de toi, il faut te demander, est-ce qu'en faisant ce que je fais, moi je pourrais me prêter de l'argent moi-même en fait? Tu vois, je ne sais pas si j'ai dit ça de la bonne façon, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut que tu te mettes à la place de la personne. Qu'est-ce qui ferait que cette personne-là te prête de l'argent? Tu vois? Donc, il faut vraiment que tu fasses attention à la façon dont tu gères ton argent et affiner ça, assainir ça au maximum. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai éliminé certaines dépenses. Donc, toutes les dépenses un peu superflues de type prendre des crédits à la consommation pour m'acheter des télés sur un an, prendre des crédits pour m'acheter des téléphones, etc. Tout ça, j'ai arrêté parce que ça en dit long sur la personne en fait. Tu vois? Donc, si sur tes relevés, on voit que tu payes des télés sur 10 ans et qu'en plus de ça, tu as découvert tout le temps, on se dit, mais cette personne vit au-dessus de ses moyens. Pourquoi n'as-tu pas mis de l'argent de côté avant même de t'acheter ta télé? Tu peux très bien d'abord commencer à épargner avant d'acheter la télé. Tu vois? Donc, c'est des petites choses qu'il faut que tu mettes en place dès à présent. Le deuxième conseil que je te donne également afin de pouvoir obtenir ton financement, c'est quoi? C'est de tout simplement mettre de l'argent de côté. Et c'est en lien avec le premier conseil qui est d'assainir tes finances, qui est d'assainir ta façon de dépenser l'argent. Parce que au moment où tu vas éliminer certaines dépenses, derrière tu vas épargner davantage. Et c'est cette épargne-là qui va, une fois de plus, montrer au banquier, donc à ton conseiller financier, que tu es quelqu'un de fiable, que tu es quelqu'un de solvable et que tu sais gérer ton argent. Et que tu es même quelqu'un de prudent. Parce que qui dit que tu mets de l'argent de côté, dit que tu es prévoyant si jamais demain il t'arrive un problème qui soit lié à ton investissement ou qui soit même personnel. Donc si demain tu as un problème
d'argent, si tu as un problème personnel, pardon, et que tu as besoin de, je sais pas, 1000 euros ou 1000 dollars de côté pour pouvoir pallier à ce problème-là, le fait que tu aies mis cet argent de côté, ça va te permettre de résoudre ce problème-là. Alors que si tu n'as pas cet argent, ça va être compliqué. Donc, mettre de l'argent de côté, ça va être la deuxième chose qui va pouvoir faire en sorte que tu obtiennes ton financement immobilier. La troisième chose également, c'est d'avoir une certaine stabilité en termes d'emploi, une certaine stabilité, un certain historique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument que tu aies un emploi de rêve ou depuis les X nombre d'années, non. Mais il faut que tu montres que tu aies au moins 6 mois à 12 mois d'ancienneté. Il ne faut pas que tu sois passé de plusieurs jobs à la fois, parce que sinon, ça montre une certaine irrégularité par rapport à ton activité et ça peut dissuader justement la banque de te financer. Donc, il faut que tu aies une certaine stabilité. Le quatrième conseil qui est un bonus pour cette vidéo-là, c'est quoi? Le quatrième conseil que je te donne, c'est de commencer à établir une relation forte avec ton conseiller. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu deviennes ami avec lui, mais il faut que tu t'ouvres à lui dans le sens où tu lui montres la vision que tu as sur le long terme, en termes de placement, en termes de carrière, en termes de projets familiaux également. Donc, toutes ces choses qui vont lui faire comprendre que tu vas être un bon client pour lui. Parce que qui dit que tu souhaites évoluer dans ta carrière veut dire que tu vas vouloir gagner plus d'argent. Qui dit que tu vas avoir des enfants, par exemple, et bien te marier, dit que tu vas potentiellement faire en sorte que ta famille soit dans la même banque. Qui dit que tu vas faire des placements, potentiellement que tu vas, mais c'est même pas potentiellement, c'est sûr, c'est que si tu fais des placements chez eux, ils vont gagner de l'argent. Et qui dit que tu vas investir dans l'immobilier, dit qu'ils vont également gagner de l'argent parce que tu vas leur payer de l'intérêt. Donc c'est vraiment tout ça en fait, tout ce mélange en fait de stratégies qui vont te permettre d'obtenir ton financement immobilier. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans l'immobilier, le financement, c'est le nerf de la guerre. Si tu n'as pas de financement, ça va être compliqué. Parce qu'il va falloir peut-être acheter cash. Si tu démarres, je ne pense pas que tu aies les moyens d'acheter cash un appartement. Une fois que tu as fait 2, 3, 4 opérations, tu peux en revendre et aller dans un autre endroit ou dans un autre pays où ça coûte un peu moins cher et acheter cash. Mais au début, même si tu as de quoi acheter cash, je te recommande de bénéficier de l'effet de levier qui est le prêt bancaire en immobilier. Ok? Donc, je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as d'autres stratégies, si tu as des stratégies ou si tu as besoin de conseils par rapport justement à comment assainir tes finances en vue d'obtenir ton financement immobilier, je t'invite à poser les questions juste dans les commentaires. J'ai également un cadeau pour toi. C'est un e-book où je t'explique 5 étapes qui vont te permettre d'investir en immobilier et également un bonus que tu verras à la fin de cet e-book. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours au Cameroun avant de retourner sur Montréal. Et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. C'était Florent de Global Investisseur. Ciao.